Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir pour cette nouvelle saison, nouveau championnat en GT4, nouveau championnat de la BB1, BB1 TV, Monsieur Tom, comment allez-vous? Ben mal comme d'habitude et vous? très mal. Ouais, bah tout va bien alors. Premier jour de championnat, match d'équipe de France derrière. Ah. Bon, oh, ça va être difficile, mais on va tenir le pavé, monsieur Tom, j'en suis sûr. On va se serrer les coudes, on va se mettre serré, on va rentrer en bas et on va les coucher. Vous inquiétez pas, on y est pour ce nouveau championnat. Dites-nous la formule de ce nouveau championnat, s'il vous plaît. Alors, on est revenu sur une formule classique, hein. On est revenu sur la bonne formule du practice, une qualif et la course. C'est simple, efficace. Je pense que on n'a jamais inventé mieux. Voilà. Alors, on se retrouve ce soir, messieurs, quand même, sur un circuit français. Cocorico, allez les bleus, comme on peut dire ce soir quand même. Situé dans le Gard, dans une magnifique région, Tom, je vous la conseille, une magnifique région d'Occitanie. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette région. Enfin, je dis ça, c'est pas parce que j'y suis, mais quand même. Créé sur leur propre fond. Donc, les mecs, ils ont fait un circuit, ils s'appellent Jean-Claude et Sylvie Bondurant, qui décidèrent de construire ce circuit à Lédenon. En 1970, il a été homologué pour la première fois en 1973. Circuit donc le plus vallonné en France, le plus sinueux et le plus technique des circuits français, c'est à noter. Donc ça va être quand même quelque chose ce soir de voir les pilotes s'affronter sur un circuit qui est pas évident, hein, qui est vraiment, comme vous dites souvent, qui tourne à droite, à gauche, et il va en haut et en bas celui-là, en plus. Incroyable. Ah, incroyable. Là, c'est des circuits français, attention. C'est aussi le seul. Non, parce qu'on est français, c'est pas pour rien, attention. C'est aussi le seul en France à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, monsieur. Eh oui, on ne tourne pas comme ceci, on tourne comme cela. Je sais pas si vous avez bien vu. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pense que les pilotes là, ils sont déboussolés, j'en suis sûr. Ils sont perdus. Ah, je suis sûr. Circuit long de 3150 mètres, donc un peu plus de 3 km avec ses 15 virages homologués FIA grade 2. Donc c'est un circuit qui accueille le championnat de France F4, la Porsche Carrera Cup entre autres. La largeur de piste, là vous allez nous en parler peut-être un peu plus en détail, c'est entre 9 et 12 mètres, donc pas très large quand même comme circuit. Voilà ce qu'on peut dire sur la présentation du circuit, qui est un beau circuit, mais un circuit quand même, je pense, très difficile dans le doublage, ça va être difficile. Dans le doublement, la doublure va être compliquée. Ça va être très compliqué. Voilà, donc monsieur Tom, on verra l'analyse technique un peu plus tard, sur le tour de qualif, tranquillement. Je vous en prie, présentez-nous nos pilotes du soir qui auront la décence et l'amabilité de ne pas regarder le match de l'équipe de France qui ne sert à rien. France-Uruguay, vous avez compris, ça ne sert à rien. J'ai rien contre les Uruguayens, bien sûr. Tout à fait. Alors, je vais essayer de mettre les derniers tours. Voilà, comme ça, on aura les chronos de tout le monde sur le petit affichage. On va faire un tour des pilotes avec les skins. Comme ça, ça va nous permettre de repérer les voitures. Parce que là, on va avoir des voitures assez différentes. Allez, on commence par le meilleur temps pour l'instant. Monsieur Kevin Lambert. L'hiver BB1, numéro 1. Incroyable, hein, numéro 1. Ça sent la première place pour Kevin. Il a changé de stratégie. Magnifique. Magnifique. Ensuite, derrière, nous avons avec la livrée Motu, Castrol, je pense. Ouais, c'est ça, livrée Castrol. Nous avons Benoît Bibard. David avec une livrée. Non, pas Skittle. Il l'a laissé tomber, la Skittle. Kimoa, c'est un truc de végétarien, ça, non? Ça doit manger du quinoa. Je pense qu'on en est là. On en est là. Derrière, nous avons Gregory Jarrett.
avec sa skin. Fidèle au poste. Sa skin, ma foi, verte. Et blanche. Et blanche. Magnifique, comme d'habitude. Nous avons ensuite la deuxième BMW avec le roi de la GT4. Il va avoir une pression. Ah, écoutez, alors là, je suis un petit peu surpris parce que je n'ai pas cette skin moi sur mon petit écran de droite. Je suis assez déçu. Mais on parle bien de Frédéric Raymond, hein, on parle bien de ce grand pilote de BMW GT4 qui a sévi sur tous les circuits et avec tous les youtubeurs possibles. Hein, on parle de lui. Hein. Il a sévi chez Dakar, oui, c'est bien lui. Il a sévi aussi chez Titus, il sévit partout. Dès que vous y ouvrez la porte, il rentre en GT4. Mais quand même, sévi, attention. Quand on dit sévi, c'est sévi. Hein, nous avons perdu Monsieur Brassac qui était là, mais qui a du déco, je pense. Petit problème de PC, peut-être. Ensuite, j'ai Paul. Il est où notre Paul, petit Polo? Paul en Porsche, première Ouh, Porsche. Dites donc, regardez sa skin. Oh, différente de la blanche et rouge. Attendez, on le voit pas. Il est où? Il se cache. Non, mais c'est ça, c'est des skins de nuit, ça. Ah oui, regardez. Ah oui, effectivement, c'est une skin pour les... Oh la vache. Heureusement que l'arrière est un peu plus clair. Parce que... l'arrière est un peu plus clair parce que moi je voyais noir et noir. Donc Non, elle est... On va le reconnaître. La Porsche foncée, c'est Paul. Ensuite, nous avons Pascal Mirande avec sa skin jaune. L'abeille est toujours là. Tout à fait, j'en ai noir. Hein. BNB, comme on l'appelle. BNB, ouais. Ensuite, nous avons Monsieur Drané avec sa version noir, blanche et rouge inversée de la BB1. C'est sympa, c'est un bon Mercedes. Mercedes, pour Frédéric, vous le savez. Il ne roulera pas en autre chose qu'un Mercedes. Ensuite, nous avons dans les stands. Hop, on va changer de caméra pour voir quand même la voiture. Chase. Le pingouin, El Pingouin. Ah! A toujours Christian, des skins magnifiques, Christian. Toujours au top du dessin. Il n'y a pas. Comme on dirait la saison dernière, il n'y a pas à chier, quoi. Il est toujours au top du dessin, Christian. Et si je changeais le titre du championnat? Pendant qu'on y pense. Hein, oui, parce qu'on était sur de la radicale, j'imagine. Oh oui, course 6 sur 6, enfin, nickel, quoi. Nickel! Ouais, mais vous le savez, on a toujours un petit décalage. C'est le lag. Hop là, bébé, un championnat GT4, course 1 sur 6, les deux noms. Hop, nickel, tout va bien avec. Tout va bien avec. Impeccable. Ensuite, nous avons Romano. Romano qui a un PC de la NASA. Ah, attendez, oui, il vient de changer de PC, il paraît qu'il va plus vite avec le nouveau PC. Sauf qu'il s'est pas entraîné, donc du coup il a pas pu rouler sur le circuit, il connaît pas, il est en train de découvrir. Donc le pauvre Romain, là, pour l'instant, P11, là, ça va être compliqué. Romain qui est en Porsche de mémoire. Non, Romain qui est en Merco aussi. Au début tout le monde était Porsche, finalement avec le recul tout le monde est repassé chez Mercedes, j'ai l'impression. Ouais, comme quoi. Nous avons John P. Après, il va falloir faire attention aux livrets. Il y a beaucoup de livrets bébé, hein, donc on va suivre ça avec précaution. Ensuite nous avons une Porsche avec Stéphane Liedo. Enfin notre voiture. Enfin deuxième Porsche. Avec sa skin maison, la Settori Racing. Tout à fait, orange et noir, hein, comme d'habitude. Ah, la McLaren, il est là, Alexandre, il l'a pris, il a pris la McLaren. Okay. Écoutez, je ne veux pas dire, mais c'est mon préféré. Parce que c'est de la McLaren, c'est mon préféré. Je suis d'accord. Ah, je sais, elle est magnifique cette voiture. Personne ne la prend, mais elle est magnifique. Ah, c'est la plus belle. Après, dommage que la peinture ne soit pas à la hauteur. Trading Paint existe, Alexandre. N'hésite pas. On dirait une Ferrari de loin. Mais c'est une McLaren. C'est sûr. Et nous avons Fifi en Porsche. Très belle livrée. Tout à fait. Gitane gauloise, maïs. Voilà. On y est. Non, c'est peut-être pas ça. On ne sait pas. C'est toujours l'Olympique de Marseille, mais un peu plus foncé cette fois.
Tout à fait. Avec les jambes blanches de votre conseil. Je vais aller récupérer Monsieur Brassac. Brassac qui est en Porsche aussi. Ah, c'est étonnant. Ça va être intéressant. Je crois que c'est la première Porsche. Donc on va faire un petit récap. Je crois qu'on a Kevin en Mercedes, David Duris en BM de mémoire. Oui, c'est ça. Benoît Bibard, Mercedes, Grégory Jarem, BMW. Ah, il y a beaucoup de BM finalement. Frédéric Raymond, ouais. BM. Frédéric Brassac, Porsche. Paul, je crois que c'est Porsche aussi. Oui, c'est ça, deux Porsche d'affilée. Mercedes pour Pascal, Mercedes pour Frédéric. Aston, c'est la seule Aston aussi, hein, de Christian. Christian, il n'y en a que l'Aston d'ailleurs. C'est la seule, c'est la seule. C'est la seule. Romain Mercedes, Jean-Michel Mercedes, Stéphane Niedo, Porsche, Alexandre McLaren et Porsche. Donc finalement, on a quelques Porsche quand même. On doit avoir 3 ou 4 ou 5 Porsche peut-être. Nous avons, je vous le dis de suite, 1, 2, 2, 3, 4 Porsche. 4 Porsche. Ben, mais Mercedes domine quand même la grille. Mais 4 Porsche, une Aston, une McLaren et le reste. Ah non, mais il y a de la BM aussi. Ah non, il y a de la BM. Il y en a au moins 4 ou 5 des BM. Il y a 1, 2, 3. Il y en a 3. 4 ou 5, c'est à peu près, mais c'est... il y en a 3. Il y en a 3, monsieur Tom. Ouais, il y en a 3. David Duris, Frédéric Raymond et Grégory Jarry. Ah, bah, elles sont toutes devant. C'est voitures aux avant-postes, visiblement. C'est des voitures que... qui se pilotent, qui sont saines à piloter. Après, est-ce que ça va finir devant? Attention, là, c'est autre chose. Est-ce que je peux faire un petit cocorico, monsieur Tom? Un cocorico BB1? Est-ce que vous me permettez? J'ai pas le choix, de toute façon. Donc, Non, vous pouvez dire non, je le dirai pas, mais dites oui, quoi. Enfin, je sais pas, faites un effort. 12. Donc, je tenais à féliciter Benoît Bibard. Qui est un pilote ce soir, hein, là, ce soir tout est remis à zéro, Benoît. Mais Benoît Bibard, je tenais à le féliciter car sur la série fixe LMP3, sur de la série je parle, il se place en 6e position mondiale et c'est le premier français. Il a porté haut les drapeaux de la BB1 et je tiens à le féliciter à Benoît. Incroyable. Bravo Benoît. Incroyable. Eh oui. On en a des bons. Ils sont pas toujours là. Ils sont pas très bons non plus, mais on en a des bons. On en a. Voilà, c'était la petite parenthèse cocorico bébé. Hein. Alors, voilà, monsieur. Je suis inquiet parce que je vois pas des temps de Paul. Je vois pas de chrono pour Paul. Je sais pas pourquoi. Il est en train d'avancer pourtant. Ça peut être. Il est à 100 km/h. Alors il freine là par contre. Hein. Non, il roule, non? Ah, il roule peut-être. Si ça y est, il vient d'avoir un temps. Ok, c'est. Il y a peut-être du reset, je sais pas. Je ne voyais plus de chrono, mais ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être réglé. Et Frédéric Raymond qui vient de passer Grégory Jarret, gentiment à la 4e place. Frédéric Raymond, Grégory Jarret qui perd une place. Frédéric, il va commencer à monter en puissance, hein, parce qu'on vous l'a dit, on vous l'explique. C'est quand même. Voilà, c'est sa voiture de prédilection, c'est sa catégorie de prédilection. S'il ne performe pas là, Il nous a bassiné pendant des jours et des jours. Ouais. Faites-moi rouler en GT4. Ah ouais. Du coup, s'il n'est pas premier, je pense qu'il fait son baluchon, il s'en va, on ne le reverra plus. Exactement. Et Pascal qui vient de se placer à la 7e position. Faisons un point F sur la qualif. Voyons, qu'est-ce qui se passe sur la qualif. Donc on a Kevin Lambert. Bah, il est toujours premier, Kevin Lambert, qui tient, la dragée haute à David Duris P2, Benoît Bibard P3 qui nous avait habitué à truster la première position se retrouve P3, vous voyez, en changeant de voiture quand même, il y a un petit peu ce challenge d'appréhender la voiture, de réapprendre à conduire, j'ai envie de dire, une voiture différente et ça c'est sympa quoi. Frédéric Raymond 4e position, Grégory Jarret 5, 6 Frédéric Brassac, Frédéric Drane, il y a trop de Frédéric quand même dans la BB1, ça je tiens à le dire. Vrai, numéro 7, Pascal Mirande, numéro 8, Paul Virieux, numéro 9, Christian Garcin, 10, Romain Guettman, 11, Jean-Michel Pradal, 12, Stéphane Niedo, 13, 14, Alexandre Longeau et Philippe Raymond, numéro 15.
tout ce petit beau monde qui s'échauffe. Combien reste-t-il? Il nous reste 12 minutes. Presque, pendant que je suis en train de bidouiller un truc, tout va bien. Oui, vous avez mis effectivement la carte sur le chat. Tout à fait. Ah, ça, c'est fait pour. Ça, ça a été prévu pour, étudié pour. Je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, je comprends pas. Il me semble que la dernière fois on avait dit qu'il n'y aurait plus de chat et qu'on mettrait la carte là, mais peut-être je me trompe. On avait enlevé le chat, je crois pas. Je crois que j'avais dû déplacer ou mettre la carte un poil plus haut, je sais plus. Je sais plus. On va la déplacer tout de suite. Écoutez, ça donne un style, hein. Moi je trouve que bon, pour lire les messages c'est un petit peu plus délicat, c'est sûr. Mais... Ouais, on est d'accord que c'est tout à fait lisible. Voilà, ça me semble pas mal. Alors on va faire ça. De toute façon, on a expliqué depuis le début qu'on ne serait jamais très bon, donc je veux dire, il peut rien nous arriver, Tom. Tiens nos promesses. Allez, avec un meilleur tour pour Kevin Lambert, 1.24.722 sur ce circuit sinueux et tortueux, hein, j'ai envie de dire. Tortueux et sinueux. Est-ce qu'on est suivi par des fans de quelqu'un ce soir? Est-ce que les gens nous ont dit bonjour? Est-ce qu'ils se sont manifestés? Ceux qui regardent le rugby? Alors qu'il n'y a pas de match, hein, on le sait. Pascal, tu veux savoir combien il y a? Ah, le spoil, nous avons des alertes. En plus, il nous fait chier parce qu'elle ne regarde pas le stream, donc je sais pas pourquoi il nous a dit ça, ça ne change rien du tout. De toute façon, même quand on y est avec lui, et il coupe le micro, il coupe le son, donc bon, qu'est-ce que vous voulez. Grégory Jarry vient de repasser, Frédéric Raymond, je pense qu'il va y avoir une belle bataille entre les deux poulets, là. Il se laisse pas faire, c'est très très bien ça. On a des chronos qui ont l'air relativement serrés quand même dans les premiers là. On est en 24-7, 24-9 jusqu'à la quatrième position. Je vais mettre les bests pour qu'on ait un. Ah ouais, ouais, on a. Frédéric en 25-0, c'est pareil. Hein. Ouais, on a 5 personnes, on va dire, en 25 ou moins. Ensuite, on va avoir un deuxième groupe qui va loin, le deuxième groupe jusqu'au 11e, hein, en 25. Ah, c'est serré. Et après, on a comme d'habitude John P qui fait aucun effort. Ça devient habituel. Oui, mais toujours placé au final. Oh, attention, il est 12ème. Il n'est pas placé du tout. Ça, pas du mais tout. Pas là, mais à la fin de la course. À la fin, c'est vrai. J'avoue. Et Alexandre Lejo qui nous a rejoint ce soir, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir, et qui a hésité entre deux voitures. Je sais pas s'il a pris la meilleure, mais moi je l'aime beaucoup, moi, cette McLaren. Mais... Il hésite entre une voiture, un volant, il a hésité entre beaucoup de voitures. Ouais, alors, à sa décharge, sa base de principe a lâché. Il a remis un petit G29 pour être avec nous ce soir, donc c'est à signaler parce que tout le monde n'aurait pas roulé avec un G29. Je confirme, je confirme. J'imagine la position numéro 7, Frédéric Dran avec un G29 peut-être. Prochaine étape, la manette Xbox. Donc ça a été un peu compliqué là, dans la logistique pour Alexandre, mais il nous a fait le bonheur d'être là et c'est très bien. Merci Alexandre. Alors il connaît le circuit bien sûr parce qu'il commente dans la vraie vie en fait ce monsieur est un commentateur de course réelle et d'ailleurs puisque je peux le faire je vais le faire donc ça s'appelle Funny Racing, vous pouvez trouver sa chaîne sur YouTube, il commente les courses en réel et par exemple le week-end prochain figurez-vous parce que tout le monde râle là oui la GT4 les deux noms machin et écoutez Alexandre va commenter vendredi, samedi et dimanche prochain le GT4 France sur les deux noms. Vous voyez, comme quoi, c'est des courses qui se font en GT4. Voilà, messieurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, direction la chaîne YouTube, on s'inscrit. Tout à fait, on lui met des pouces. Alexandre, très bon commentateur, certainement. Peut-être un poil en dessous de nous, mais vous ferez une idée. Tout juste.
Tout juste. Après, on peut pas non plus être au top niveau. Mais Il m'a confié qu'il avait 14 personnes pour faire 4 fiches de vie pour toute sa session. Donc bon, voilà. Donc nous, on est quand même que zéro. Hein, bah, toi et moi. Merde. Je les oublie, c'est tout, parce que là, je ne sais pas où elles sont. Mais j'en ai fait toute la semaine. J'ai travaillé. Mais en tout cas, jetez un œil sur sa chaîne parce que ça vaut des points. Et puis c'est notre Alex à nous, donc ça fait plaisir de voir commenter des vraies courses en France. Et puis ça bouge un peu, il y a quelques cartons aussi. Vous verrez que la réalité se rapproche de e-racing parfois. Après, ça roule moins bien que chez nous. C'est évident. Ça commente moins bien et ça roule moins bien. D'ailleurs, ça, c'est j'en connais un qui doit être un petit peu sous pression, notre champion du championnat précédent. Parce que là, c'est un certain monsieur Lambert qui est devant avec un temps boulet de canon. Il y a un beau trou quand même. Un 5 dixième, là, ça commence à causer. Et le champion du championnat précédent, bien sûr, était Benoît Vivard, on le rappelle. Kevin Lambert, numéro 2, et Grégory Jarret, numéro 3. Donc, on les retrouve quand même dans le top 5. On a un autre client, là. On a David, qui va faire le champion en entier. David, il va certainement jouer le podium. N'enterrez pas Frédéric Raymond trop vite. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Un vrai politique, ce Frédéric Raymond, un vrai politique. Il nous en a promis, il nous en a dit, moi la GT4, je suis au-dessus du lot, je vais me faire chier, je sais pas si je vais rouler. Voilà. Non, moi là où il m'avait fait peur, c'était quand il était avec son Aston Martin. C'est pas lui qui avait l'Aston Martin, mais un GT4 contre une Aston Martin rouge et blanche, là il m'avait fait peur. Là par contre, il était allé tout droit, je ne sais pas, un problème de frein ou je ne sais pas, et ça m'avait fait peur. Je pense qu'il va se remettre dans l'axe. Moi je ne l'enterre pas, moi ce pilote, je ne l'enterre pas parce que je l'ai vu faire de belles choses quand même, de très belles choses. De la course, du cirque. Il va falloir tenir ses promesses. Ah non, mais là, il tremble, hein. Je suis sûr qu'il tremble. Il doit se dire, mais putain, c'est pas possible. C'est quoi cette voiture de merde, il doit dire. Voilà, je le connais, il doit dire ça. Elle avance pas, cette voiture, alors que putain, en principe, je suis premier. Ah là, il y a attention. Mais vous verrez, il en garde sous le pied, j'en suis persuadé. Il teste. Tranquillement, il teste. Mais bon. On a un David Duris qui revient quand même en compétition avec nous, ça fait plaisir. David Duris qui était deuxième de la première du premier championnat, vous vous rappelez pas ça Tom, mais du premier championnat. 825 ça je crois. Non mais écoutez, premier championnat de la BB1 en GT3, Rudy Lagneau premier, David Duris deuxième et Kevin Lambert déjà lui. Troisième. C'est incroyable. Hein. On en est au sixième championnat. Et finalement, on s'aperçoit que les gens devant sont. Ah ouais, c'est possible. Hein. GT3, Clio, IR04, LMP3 et Radical. Et GT4, c'est le sixième. Bien, bien. Hein. Comme quoi, les mathématiques, vous êtes pas mal. Hein, vous êtes pas mal. Écoutez, j'ai des fiches. J'ai été obligé de prendre une. La calculatrice était là. Une petite. Non, je ne dirai pas de nationalité, ça ne se fait pas. Que je ne paye pas trop, mais bon, voilà, qui est contente de travailler avec moi et qui me fait mes petites fiches, monsieur Tom. Voilà. Ouais, non, ça ne se dit pas, ça non plus. Non. Vous avez bien compris l'humour, ce n'est pas vrai, ce sont mes fiches, bien entendu. Allez, on arrive vers la fin, 3 minutes, on va bientôt attaquer les qualifications. Dans quelle caméra voulez-vous vous mettre? Écoutez, Kevin Lambert qui est premier, ou David Duris pour lui faire plaisir, moi ça m'est égal. Mercedes ou BM, c'est la question. Écoutez, je vous laisse choisir. Moi j'ai pas d'avis parce que là je suis suspendu à vos lèvres quand vous nous décrivez le circuit en qualif. Ah, il est long en plus, ça va être du temps. C'est un grand circuit. Oui, mais attention, il y a quand même tous les 2 mètres, il y a un virage. Ah, enfin, par contre, ça tourne. Ça, on peut pas lui reprocher ce problème. Ça, c'est un circuit qui tourne.
En vrai, je pense que ça va être intéressant la semaine prochaine de regarder la course réelle. Parce qu'en GT4 sur ce circuit, je sais pas combien ils sont, s'il y a une vingtaine ou 30 pilotes, mais ça doit zouker. Je pense que ça doit zouker. Et je pense que le départ doit être un peu rock'n'roll, ouais, tout à fait, ouais. Alors il m'a envoyé en plus le truc, mais moi je vous les donnerai plus tard, mais vous partez sur le vendredi, il y a des qualifs, oui, il y a des machins. Il y a des essais libres, ouais. un petit week-end stylé fin, je suppose. C'est ça, et il nous fait les commentaires sur les 3 jours, et c'est du sport, hein, parce que c'est de 8h du matin à 8h le soir, hein, c'est quand même du sport. Et hein, faire des commentaires tout seul, énorme respect. Ouais, ouais. Quand on n'a pas un limite pour s'accompagner, ça doit être long. La journée doit être longue, hein. On va pas se le cacher. Heureusement que vous parlez de vous, monsieur. Voilà. Oui, bah, évidemment, je ce n'était pas du tout censé vous viser. Du tout. Ah oui, mais c'est vrai qu'à deux, ça sent moins seul quand même. Pas non, mais je sais pas, c'est, moi, c'est, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je suis admiratif. Ah non, mais attendez, à la BB1, on a des gens qui ont du talent. Alexandre Longeau a du talent, ouais. C'est sûr. Pour le pilotage, je suis pas sûr. Bon. Mais après, pour le commentary quand même. Il aime la course automobile, c'est déjà bien, ça fait déjà une qualité. C'est un passionné. Alex, si tu m'entends, je m'excuse. Alors, on en est où, quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste? 38 secondes. Ah, ça y est, Frédéric Raymond rentre au stand sur son temps médiocre. On ne pourra pas le suivre en qualif, hein. Ça, c'est pas assez élevé. Hein, bon, après, en vrai, si je regarde les chronos, on a... Ah, il n'y a pas grave. Avec Kevin. David et Benoît séparés de 32 centièmes. Wow. Benoît et Grégory séparés de 14 centièmes. Et Grégory et Frédéric séparés de 66 centièmes. Ça veut dire qu'en... Allez, 150 dixièmes, on a... 150 dixièmes, ça ne veut rien dire. 150 centièmes, pardon. on a 4 pilotes. Donc, ça va être chaud patate. C'est qualif. Bon, alors, Un temps stratosphérique de Kevin, quand même, une 24-464. Hein. On a dit Monsieur Lambert. Mettons-nous dans le cockpit de Monsieur Lambert. Allons-y. Je vais vous mettre les chronos de ces messieurs. Et nous sommes partis des stands. Allez, on va laisser faire le tour de chauffe et je vais faire un petit débrief du circuit à partir du premier tour de Kevin. Un circuit bucolique, s'il en est. Enfin, c'est français, donc il y a la verdure et des arbres. Vous vous rendez compte que c'est le circuit le plus technique de France? Enfin, il oui, se murmure, on il en se a pas, dit, on n'en hein. a pas 1 750 000 non plus, hein, donc ça facilite. Non, il y en a quand même quelques-uns. Si on prend Le Mans version longue, c'est pas spécialement technique. Hein. Il y a une droite de 6 km. Non, mais on a du Manicourt dans ce style de circuit. Qu'est-ce qu'on peut avoir du Paul Ricard un peu plus long? C'est des circuits relativement plats. Ouais, ouais. Les Dénons, c'est quand même un circuit extrêmement vallonné. Bon. Je vous dis, ça tourne. Hein. Ça tourne. J'ai l'impression que ça tourne. Hein. Eh bien, nous allons partir pour le premier tour de qualif 2. Dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est parti. Oui, c'est un circuit qui tourne à gauche. C'est comme ça qu'on dit, parce que sinon ça veut rien dire. Allez, c'est parti pour Kevin. Premier virage à gauche, très rapide. Un espèce de triple gauche. On rétrograde en 4. Ça passe. On rétrograde en 3 et 2. On tournicote sur le troisième. On a une belle descente avec un virage à 180 degrés. Une épingle en cuvette, on remonte, on a une petite ligne droite pour un nouveau 180, quasi 180 et 170 sur la gauche. On accélère, on va avoir une grande descente où il pourrait y avoir des dives,
c'est dangereux, mais ça va pouvoir dive ici. Gros virage en appui, un peu sur une espèce de micro-banking. Sans visu en plus. Hein. On remonte un petit peu comme le virage précédent qui était à 180 degrés. Là, on prend un gauche très rapide. On freine au bout puisque là, on a un virage vraiment ultra rude à prendre. Il fait vraiment à 180 degrés, mais qui se resserre de plus en plus. Il est vraiment chiant à prendre ce virage. Et ensuite, on a une descente zigzagante. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Avec un virage à prendre vraiment dans la cuvette si on veut pouvoir garder la voiture et avoir un peu de vitesse en montée. Et on va boucler ce premier chrono en... Mais il va nous faire 24-8. Très beau chrono, très beau chrono. On est pas loin déjà d'un temps qui peut faire P1. Ah, très beau chrono, ouais, ah, tout Frédéric à fait. Clément, premier tour, il descend les 24. Magnifique. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'il en avait gardé sous le pied, Fred. Il se place aussi. Allez, je ne comprends pas, Frédéric. Frédéric, est-ce que ça a compté? Oui, ça a compté. Ça a compté pourtant. Tout va bien. Allez, deuxième tour pour Kevin qui va tenter d'améliorer son 24-8. Frédéric Drané qui s'intercale devant Fred. Bravo, Fred. Et oui, quatrième pour l'instant, Frédéric. Alors, on a une brochette de Frédéric, là. Mais oui, on a une... Ouais, effectivement. Vraiment, il va falloir kicker les gens dans ce groupe de merde, quand même. C'est quand même insupportable. On va les renommer, c'est pas possible, là, que ça ne peut pas. Allez, est-ce que Kev va réussir à améliorer avec son prénom de mec du Schnorr? Vraiment dur, hein. Certains parents sont quand même vraiment durs. Hein. Hop, dans la cuvette, on accélère à fond. Et on a Grégory Jarret qui vient de claquer le meilleur temps. Surprenant. Ah, tout à fait, il est passé devant. Surprenant. Et lui aussi, il en avait gardé. Allez, 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 Kevin. Qu'est-ce que ça dit, Kevin? Kevin, il améliore. Oh, incroyable. Je crois qu'il est amélioré. Oui, oui, oui. 500. Kevin passe devant, ça pense, y est, bravo. Je pense que la P1. Magnifique. Je pense que la P1 n'est pas loin. Oh, regardez-moi cette grille, c'est beau. Oh là là. On a David, il est où David? David contre performance, c'est 8ème. Oui, il est pas bien David, il est pas bien, il s'est encore loupé ici. Est-ce qu'il a fini? Non, c'est son dernier tour là David, je pense, non? Ah non, il a relâché. À mon avis... Oh, si, c'est loupé, il a vu que c'est loupé, donc David, il va partir 8ème. Pascal 9ème. Est-ce qu'il reste des voitures? Il reste John P. Jean-Michel qui est encore sur le circuit. Philippe Romo. Pascal Miranda encore qui va finir son dernier tour. Peut-être il va améliorer. Voilà, je suis. On va faire dans l'ordre. Hein. J'ai chopé Jean-Michel. Derrière, on aura Alexandre. Allez, Jean-Michel, combien? Est-ce qu'il améliore? Il améliore Jean-Michel, suspense. 26-8, oui, il améliore. Ensuite, nous avons Alexandre derrière, Alexandre non, qui rentre au stand. Donc, c'est non pour Alexandre. Le numéro 9, c'est Pascal. Pascal qui va finir son tour aussi, qui était en 26-1. Où est-ce que ça va l'amener, Pascal? Pascal qui craque le 25-3. Oh, c'est beaucoup mieux pour Pascal. Pascal qui était suivi de Fifi qui fait... Ouais, Pascal qui passe à la cinquième position, bravo Pascal. Alors Pascal, et on a Drané encore, qui l'impression encore un tour, ou alors il practice encore, je sais pas s'il a encore un tour. Moi je le verrais bien practicer encore un petit peu. Ah, c'est possible. on va voir ça tout de suite. Ouais, parce que Pascal practice encore, hein. Pascal s'entraîne ouais, encore. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, je il avait déjà fini, que, tout je à fait. Je pense que la grille est là. Ouais, la grille est ça. Là. Je suis d'accord que la grille est là. Voici la grille. Magnifique. Alors, Kevin Lambert, première position avec un tour en 1.24.571. Benoît Bibard, P2, 1.24.652. Grégory Jarret, P3,
1-24-759. Frédéric Raymond, P4, 1-24-921. Pascal Mirande, P5 avec son 1-25-332. Frédéric Dranet, 1-25-364. Christian Garcin, P7, 1-25-586. P8, Frédéric Brassac, 1-25-617. C'est quand même très très serré. 1-25-834 pour la P9, David Duris. P10, Paul Virieux, 1-26-248. 1-26-667 pour Romain Guettman. P11 et P12, Stéphane Niedot avec son 1-26-732. 13e, Jean-Michel Pradal, 1-26-855. Alexandre Longeau, 1-26-900. P14 et P15, Philippe Remaud, on m'a repris, Philippe Remaud, 1-27-991. Ah ben, voilà, nickel, la ligne de départ, messieurs. Eh bien, nous avons... Allez, deux petites minutes, trois minutes, je pense, le temps que le... la course se lance. Les pilotes doivent se chauffer les mains. Alors qu'on nous signale dans le chat, on nous signale dans le chat une information intéressante. Le fameux virage complexe, là, le virage qui se referme à 180 degrés, s'appelle le fer à cheval. Ensuite, tout à fait. On a, pour finir sur cette phrase de talent et qui nous explique quelque chose, on finit cette phrase par « il me semble ». Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des informations... Ah, c'est gentil, ça. Ah, c'est des informations toujours au poil de fion, toujours... c'est poliché, c'est... C'est moche, c'est moche. Merci. Merci pour l'information. Peut-être. Et ce virage s'appelle peut-être le fer à cheval. Mais qui dit ça? Donnez-nous des noms, s'il vous plaît. Donnez-nous des informations. Je ne comprends pas. Pourquoi? Comment? Puis-je? Non, parce qu'il y a des noms à la con dans ce circuit. Hein. C'est, moi, vous les avez, les noms des virages? Non, parce que personne ne les a, de toute façon. C'est pas la question. Personne ne les a, tout le monde s'en fout. Hein. Je pense que, en fait, ça s'appelle pas du tout le fer à cheval. Qui vous a dit ça? Merci. Qui vous a dit ça? Je ne sais pas, c'est dans le chat, une information... C'est magnifique, parce que moi j'ai pas du tout ces informations là. C'est parfait. On a le triple gauche, on a le virage du pont, on a la carrieras, tout à fait, on a la coumelle qui vient après, on a le virage du camion, hop, on remonte, on a le cavalet, la servie ou vie. La cuvette, donc je pense que c'est la cuvette qui voulait dire le fer à cheval. Non, je pense que c'est... Ah non, c'est juste avant, oui, c'est la servie. La servie, d'accord. La servie. Eh bien, vu les noms de merde, nous n'utiliserons pas les noms officiels pendant cette course. Ouais. Hein. Le fer à cheval me semble plus approprié, tout à fait. voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des noms à la con, voilà, vous l'aurez compris. Ah, quand c'est français, c'est quand même pas terrible les noms. Hein. C'est pas... Oh, attendez, moi j'en ai des Pormenbach, des Totenbach, des machins là. Le virage du camion, la cuvette à chiottes, enfin les noms sont un peu particuliers quand même, c'est quand même... Allez, c'est parti pour le tour de formation, nous sommes partis. On va regarder cette caméra, ça me paraît bien pour le départ, ça, on voit beaucoup de choses. On va rester là-dessus pour le départ. Allez, moi je vais me mettre comme d'habitude. Par contre, il faudrait pas que je sois en pause. Ça ne marchera pas. Moins efficace, effectivement. Ah là, je vais me mettre un peu vers le milieu, moi, vous le savez. J'aime bien voir tout ça. Ah, c'est bien, on arrive à avoir la grille quasi complète, là, c'est nickel. Je pense que le départ va être chaud, parce que je pense que les pilotes savent que le départ... Ah, c'est... Alors c'est Kevin, parti, est-ce c'est que... C'est parti, Kevin a déjà lancé, on est déjà parti. Green flag, green flag. On a Kevin qui a déjà lancé devant. Kevin peut prendre un drapeau noir, il l'a déjà fait, attention. Non, Kevin était le premier, donc il est tranquille. On a Kevin, on a Benoît, on a Grégory. Écoutez, c'est très très propre derrière, hein. Tout s'enfile comme des perles.
pour l'instant, aucun souci. Effectivement, on a notre Kevin qui a pris un peu d'avance. Mais ça reste pour l'instant assez serré. Hein. On a Pascal qui est collé déjà à... Qui est collé à Fred. Ah oui, 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 tout à fait. Il lui met une pression titanesque. Et je crois que on va revoir ça à l'instant, mais je crois que Monsieur Garcin a déjà doublé tout de suite. Là, nous allons voir ça. Oui, dépassement de Christian sur Fred Brassac, magnifique. Et Romain vient de passer Paul. Eh ben, nous allons aller tout de suite. Alors, est-ce qu'il va conserver? Oui, oui, en bas, il va conserver sa place. On va aller voir tout de suite le dépassement de Paul à l'intérieur. Est-ce qu'il va garder sa place, Paul? Ah non, non, c'est là effectivement. Petite erreur. Petite erreur de Paul qui se fait dépasser par Romain. Allez, nous revenons au live tout de suite et nous revenons en tête avec Kevin assez largement en tête pour l'instant. Kevin a pris le large. Kevin suivi de Benoît, Grégory, le petit trio de tête là, déjà c'est un petit peu échappé. Derrière on a Pascal qui attaque. Pascal oui. Qui attaque. Est-ce que ça passe pour Pascal? Ça passe non, pour Pascal. C'est passé. Et du coup Fred Drané tout de suite à l'attaque sur Fred Raymond. Fred Raymond. Il en profite. Fred Raymond dit non là. Professionnel. Oui mais Fred Raymond a dit non là, Fred Drané. Attention, il a dit non, un, je veux bien, mais pas deux. Et je crois que derrière, Fred Brassac a repris sa place. Sur Christian. On va aller voir le dépassement en pleine ligne droite, magnifique. Et David aussi qui est passé. David a passé Christian. Ouais, je crois que du coup, Christian a dû. On va voir ça tout de suite. Et je pense que Christian a dû faire du coup une petite erreur. Non, je vois. Oh là là, revenons sur le replay puisque nous avons un crash du G29. Oh là, la touche est horrible. Non, ça c'est affreux malheureusement. Ah là là, Jean-Michel, et on va voir ça en live. Oh non. Jean-Michel qui prend l'intérieur et Alex qui... Ouais, tout à fait. Non, c'est moche. C'est dur ça. Je tiens à regarder ce soir, attention. Allez, revenons au direct, on va repartir devant. Dur, Jean-Mimi. Le pauvre là, oui, c'est compliqué parce qu'il n'y peut pas grand chose malheureusement. Alors, on a Rédéran qui fait quand même un peu pressant sur Rédéran. J'ai bien entendu. Avec Rédéran, ça va quand même encore un peu plus éloigné. Frédéric Brassac, toujours dans son attitude d'observation. Voilà, je laisse les pilotes un peu en découdre et puis je vais mettre un petit coup de collier quand il faudra. Avec un David Duris quand même qui vient de. Lui réchauffer les fesses, j'ai envie de dire. Alors que j'ai un petit souci technique, visiblement. Bon, c'est pas grave, on va pas utiliser cette info qui bug. C'est pas grave. Nous n'allons pas utiliser cette info. Donc, devant. On est parti sur une bagarre. Kevin Benoît. Kevin le meilleur tour déjà. Grégory est un peu lâché, j'ai l'impression. Ouais. Grégory est déjà un petit peu lâché. Ensuite, on a Pascal qui est un petit peu décroché lui aussi, du trio de tête. Frédéric Raymond, il s'accroche à Pascal. Juste derrière. Alors qu'on a Benoît qui vient de reprendre le meilleur tour, donc qui rattrape un petit peu Kevin devant. Frédéric Drané fait une belle petite course, 6ème position. Voilà, il est là, il lâche rien, hein, ce groupe de Pascal, Mirande, Frédéric Raymond et Frédéric Dran, avec David qui commence à revenir quand même très fort sur eux. Hein. Alors que sur le chat, on essaie de justifier une information fallacieuse depuis tout à l'heure. Ça ne suffira pas, cette information a été refusée.
Le fer à cheval? Oui, mais après, c'est peut-être, tu c'est sais, pas des parce fois... parce qu'on met des guillemets qu'on va, vous croire. Oh là là, attends, Fred Raymond. Ah, on comprend mieux pourquoi il est souvent fort en GT4. On comprend mieux. Moche. C'est moche, c'est moche, c'est nous moche. Nous allons voir ça au ralenti. Alors, est-ce que Pascal se loupe? Parce que... Là, moi, je dirais que c'est Frédéric Raymond qui se loupe. Oh là là, c'est honteux. Honteux. Oh, le pauvre Pascal qui repart du coup 12e. Oh là là. Oh là là, tout s'explique. Tout s'explique sur certaines façons de faire. Ah, et Frédéric Drané, Frédéric Drané qui est en train de prendre Frédéric Raymond. Il y va, il plonge et c'est passé. Tout à fait. Mais après, est-ce que ça serait pas une stratégie de monsieur Raymond pour le défoncer au prochain virage? Est-ce que ça ne serait pas la stratégie? Écoutez, il me disait dans les paddocks que la BMW, il avait installé le pare-brise plein avant. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ben, tu comprends mieux. Voilà, voilà, voilà. Ah, on n'est pas déçus. Avec Fred Raymond, on n'est jamais déçus. Voilà, sauf que par contre, là devant, maintenant, c'est la fête du slip. Là. Les trois premiers, ils se sont dissipés. On ne les verra plus. J'ai une pensée émue pour Pascal Miranda à la 11e position. Ah, il va rattraper, il va revenir Pascal, c'est pas fini, il va revenir. N'oublions pas qu'il y a un arrêt, donc tout est possible. Maintenant, je serai Frédéric Baudelaine, je commencerai à flipper un petit peu, maintenant. Surtout que les couleurs peuvent attirer Frédéric Raymond. Blanc et rouge comme ça, c'est des trucs que ça attire, ça. Alors on a loupé, mais derrière, la voiture orange chez David. Et David a déjà gagné. Je vous l'ai dit, David. Ouais, David, il a gagné 3 places, et... David. David a fait une belle remontée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, David est très solide. Faut que je m'occupe de ce que tu racontes, ça devient compliqué, là. Oui, mais tout à fait. Heureusement qu'on s'écoute pas, bien sûr. Ah, bah, elle est pas là pour ça non plus. Non, il y a une belle bataille, regardez. Il est chaud, David. Oui, il a l'impression qu'il est plus vite. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a 7 pilotes qui se suivent là. Et Frédéric Drané qui est pas mal du tout, un P4 pour l'instant, c'est beau. Ouais, ça, hein. Ouais, Je pense que Frédéric. Jamais, c'est pas mal du tout. Frédéric Raymond doit regarder dans les rétros, doit perdre un peu de temps. Ça plonge, il y va, David. Bon. Et il peut pas, Frédéric Fred. Il est sur la retenue. Ouais, bah Frédéric Raymond, déjà tu personne. Je crois qu'il a compris que ça. La caméra était sur lui, mais il ne s'est pas fait passer. Il a tenu, Fred. Ça commence à bouchonner, là, par contre, Fred Raymond. Derrière, là, ça crée un petit bouchon, comme on dit. Je pense que le prochain tour, David, il va y retourner. Il a vu que Fred avait ouvert, donc il a compris que ça allait se faire. Par contre, je suis un petit peu interloqué. Je ne sais pas si vous avez mis Training Paint. Je ne suis pas sûr. Si. Bah, écoutez, moi j'ai Frédéric Raymond sur e-racing en sa skin légendaire. Voilà. Et chez vous, il ne l'est pas. Ah, regardez ce que je vais faire. Attention, regardez. Bam. Hop. Voilà, magnifique, c'est Kevin Lambert. Regardez, Ctrl R. Vous voyez, ça c'est le chargement de Training Paint. Regardez bien. Ouais, tout blanc. Et il est blanc. Il reste blanc. Ça restera blanc. Ça restera blanc pour la postérité. Et non, je vous assure. Ça recharge, ça recharge, regardez les skins. Hein. Et moi je l'ai avec ça. C'est vous qui avez lancé Trading Paint. Hein. C'est peut-être vous. Oh, arrêtez. Faites un contrôle R. Faites un contrôle R, monsieur. Je le fais de suite. Contrôle R, tout est blanc. Bon, c'est pas très intéressant. On ne reconnaît plus personne. Et Frédéric Raymond. Ça touche derrière monsieur Brassac qui rentre dans le fion de monsieur Garcin. Incroyable. Et je crois que. Oui, derrière, à deux doigts de perdre sa place, monsieur Brassac, avec cette erreur. Aïe. Non, Frédéric Raymond a bien une livrée Iron Maiden, hein, tout à fait. Pas du tout. Écoutez, je l'ai sur le spotter guide, je l'ai partout. Sauf chez vous. Moi, non, mais j'ai les mêmes skins sur le spotter guide que mes skins à moi. Vous avez pas Frédéric Raymond en Iron Maiden sur le spotter guide Bon, il est en. Ben non, c'est la même skin, donc ça peut pas être. On regarde pas la même course, c'est pour ça qu'on n'est pas bon aux commentaires. Peut-être. Peut-être qu'on n'est pas sur la même journée, c'est possible. Allez, trêve de plaisanterie. Alors, Kevin Lambert, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Une manipulation très limpenesque. Je vais tenter ça quand même. Mais attention, Benoît Bibard s'est rapproché de Kevin Lambert, dites-moi. Alors, on va aller voir devant. Vous ne tenez pas au courant du début de la course. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Non, non, magnifique. Attendez, regardez. Kevin Lambert ne s'est pas échappé du tout. Kevin Lambert commence à prendre la pression de Benoît Bibard avec un Grégory Jarret derrière qui lui est un petit peu distancé. Effectivement, il y a une belle P4 pour Frédéric Dran qui, par contre, lui a tout le train au cul. Par contre, lui, il a un peu la pression. Grégory se retrouve un peu dans le no man's land, il va pouvoir gérer. Et Kevin, effectivement, Kevin est devant, mais attention, voilà, il y a un dixième sépare les deux pilotes sur leur tour. Je pense qu'il peut y avoir une belle bataille aussi devant, hein, regardez. On est juste devant, mais je suis pas sûr que pour l'instant Benoît ait envie d'attaquer. Il faut qu'il attende la... S'il n'y a pas d'erreur, il faut qu'il attende les stands, tout simplement. Par contre, Grégory n'arrive pas à recoller. Hein. Grégory est derrière, là, et c'est pénible, visiblement, pour Grégory. Alors, est-ce que la voiture, est-ce que la BMW est moins bien? Et c'est une possibilité. Hein. Effectivement, derrière, je sais pas, David a pas l'air de non plus. Ouais, parce que les 3 BM, c'est Grégory, David et Fred Raymond. Ouais, hein, donc ils sont quand même présents, ils sont quand même là, mais effectivement, devant, c'est trusté quand même par Mercedes. Hein, y a rien à dire là-haut. Regardez comment ça revient vite là. Incroyable. Moi, je pense que ça va s'attaquer avant les stands, hein, Tom. J'en ai peur. Pas. De toute façon, David, il doit. Alors, je sais pas si ça commence à se resserrer un petit peu le trio là. Et j'ai l'impression que le petit trio s'échappe par rapport à Christian derrière. Donc on a double trio. Je parlais de Kevin et de Benoît, moi. Je pense vraiment que derrière Benoît, il est bien là. Il est en train d'économiser un peu d'essence. Pour moi, aucun intérêt. Peut-être aucun aussi. Intérêt peut-être de Benoît aussi, ouais. Pour l'instant m'attaquer. Il suit le rythme. S'il y a une erreur de Kevin, bien sûr, il va en profiter. Mais là, en vrai, il a aucun intérêt à forcer. Je pense qu'il pourra même peut-être tenter un undercut sur Kevin. En sachant qu'il y a eu du training de rentrer au pit, hein, on va peut-être avoir une vague de Black Flag, je vous l'annonce déjà, hein, je peux déjà vous l'annoncer. Ils veulent tous s'entraîner à rentrer au pit le plus tard possible et le plus vite possible. Et on m'a dit ça, on m'a dit qu'on pouvait rentrer dans les stands à 120 km/h. Alors là, 250, ça passe. Tout est Bobby quand on m'a dit ça, dites donc. On va rigoler, je pense, ce soir, je sais pas pourquoi. Vous croyez qu'ils vont le faire, non? Voilà, Benoît, effectivement, Benoît est quand même en mode pressurisation. Non, mais pressurisation. Moi je vous dis, et puis, vous connaissez les pilotes, c'est les oui, têtes de pilotes devant. Ah, alors, et voilà, exactement. Dire, excusez-moi. Là, j'ai à peu près ça, mais je l'aurais pas dit comme ça. Ah, d'accord. Mais vous savez que pour un meilleur tour, ils sont capables de se foutre en l'air, donc... C'est pas ça, bon, on déconne les kiki. Entre Kevin, là, je sais pas s'il y a des vibreurs sur lesquels il peut se coincer, déjà. C'est déjà le côté positif du circuit. C'est déjà le côté positif du circuit. C'est que je pense pas qu'il puisse se baquer et ne plus repartir, c'est déjà ça. Et il me semble que Benoît nous avait fait la même, ou Grégory, enfin un des deux, donc... Non, mais je veux dire, les pilotes devant, voilà, ils sont là pour la compétition. Moi, je suis pas sûr que Benoît accepte d'être derrière Kevin toute l'après-midi, hein. Ça, je suis pas sûr. Ah, pour l'instant, je pense que, je vous dis, là, pour moi, aucune raison d'attaquer. Il faut qu'il reste derrière tranquillou. Aucune raison de s'exciter. Après, la raison voudrait. Oh là, David, on a. Allez-y. Hop. Ça tente extérieur ou pas? Est-ce que ça va décroiser? Est-ce qu'il veut décroiser, David? Il le prend bien large. Ça passe pas ici. Attention, hein, parce que devant Fred Raymond peut prendre un slowdown dans le virage avant s'il est un peu trop extérieur. Méfiance avec ça. On va se remettre en vue de dessus pour pouvoir observer ça. Ça profite. Ah, derrière, Monsieur Brassac s'est fait doubler par... Tout à fait, par Paul. Paul qui vient de passer. Frédéric Cap. Revoyons ce dépassement au ralenti, s'il vous plaît.
En pleine ligne droite, d'accord, bel beau dépassement. Il s'est mis à l'intérieur et c'est fini. C'est fini, Fred va relâcher... Heureusement que Paul a un peu de noir devant parce qu'on aurait dit Frédéric Raymond. Romain. Dites donc. Ah, c'est pas mal. Beau dépassement. Bien joué, Paul. Et Fred qui essaie de... Mais il n'y arrivera pas. Je peux vous dire que j'ai une vague d'incidents. On n'est pas à l'abri de... On n'est pas à l'abri de slowdown... De après vous, pardon, pas de slowdown, on n'est pas à l'abri de drive-through avec trop d'incidents. Est-ce que ouais, mais après, rappelez-vous que des fois des sorties de piste sont considérées comme des incidents, mais ne sont pas dans e-racing considérées comme des XR. Rappelez-vous de ça. Je sais pas, moi j'ai un Pascal à 5, on verra bien, mais pour l'instant j'ai un Pascal à 5. J'ai un... Ouais, ça me semble, oui, ça me semble pas déconnant par contre. Paul à 5. Donc à voir. Pour l'instant, en tout cas, Frédéric Dranet... belle course. Tiens, le groupe, hein, ouais, pas de soucis. Course. Pour l'instant, il n'est pas attaquable, donc aucun problème. Course, il mène tout ce beau petit monde et il le mène bien. Il est devant, il a pris un petit peu le large. Fred... Il fait une course solide, hein, Fred Dranet. Hein. Exactement, c'est solide, il n'y a rien à dire. Se serait-il entraîné? Il tourne en combien? Ouais, il tourne en... Alors, c'est pas du tout lui qui a le meilleur tour. C'est-à-dire qu'un David Duris dans le petit groupe roule le plus vite. 2538. Frédéric Raymond aussi. On a quand même un gap par rapport au... On a quand même un gap par rapport au groupe de devant. Hein, où là, on est en 24-5 et 24-6, 24-7. Et le Paul Virieux aussi, hein, 25-144. Ouais, effectivement. Alors ça y est, je vois que Grégory est complètement lâché. Le troisième, par contre, commence vraiment à s'éloigner du groupe, du duo de tête. Ah, on sent que David Duris cherche la faille. Hein. Ouais. On sent qu'il... Il met le museau. À chaque fois, il met le museau. Hein. Il va vraiment pas falloir que... Vous voyez ici, Fred Raymond, attention, Fred Raymond. Oh, attention, ça va le faire! Attention, ça va le faire! Eh oui, attention, on se le donne ici! Regardez! Il est pas Regardez, bien. Ça va le faire! Ça va le faire! Non, ça va pas passer, je pense pas, mais en tout cas, là, il peut. Il va y aller! Ah, c'est... il défend l'intérieur, Frédéric, il défend chaud, l'intérieur! C'est bien défendu! C'est bien défendu! Par contre, faut pas qu'il joue avec le feu parce que le slowdown ici, il fera mal! Oui! Oui, oui, ça et peut le calmer! Et du coup, ça permet à Fred Frédéric Dran de s'envoler. Ouais, oui, parce que la bataille entre Fred et David, Frédéric Raymond et David, elle est âpre. C'est chaud, effectivement. On va se mettre en vue cockpit un petit peu pour suivre cette bagarre. Et vous allez voir qu'en vue intérieure, c'est vraiment serré. Et ça fait du bien à Frédéric Dranet qui peut conduire tranquillou. Pour s'échapper un petit peu, mais c'est vrai que là, David, à chaque fois, il met une pression à Fred. Waouh, c'est... Alors, est-ce que là, il va aller... Ça va être difficile à tenir. Hein. La ligne droite est pas assez longue, malheureusement, pour pouvoir plonger avec la spi, il n'y a rien du tout, donc là... Ah, ça risque de se jouer sur un passage de museau un peu dans un virage. Attention, Raymond, pas commettre la même erreur ici. Non, c'est mieux. Aplomb. Regardez, hein. Aplomb. Mais c'est chaud. C'est vraiment la bataille de l'après-midi, j'ai envie de dire. Ah là là, à chaque fois il met le museau, mais... Ah ouais, mais il arrive pas à passer un peu plus que l'aile, vous voyez. C'est compliqué, oui. Un peu plus que le phare. Je pense que là, il faut vraiment attendre une erreur. Malheureusement, vraiment attendre une erreur de Frédéric Raymond. Alors qu'on a Monsieur Brassac qui est en train de se faire complètement larguer là, Monsieur Brassac là. Il se trouve un petit peu dans un no man's land là, il a été lâché par Paul. Ouais. Pourtant Fred Brassac roule relativement vite, donc c'est pas un problème de vitesse. Je ne sais pas s'il a fait des erreurs, je ne sais pas du tout. Je n'ai rien à ce sujet, moi je pense que Frédéric a roulé normalement. Alors attendez, je vais réinitialiser peut-être. Je reviens un petit peu sur Pascal. Pascal qui s'est rapproché. Peut-être Pascal va pouvoir tenter un dépassement sur Romain.
Pascal qui a eu une course difficile depuis le... Et c'est deux pilotes... L'incident, comme on peut dire. Ces deux pilotes, malheureusement, ne sont pas du tout bien placés. Ces deux pilotes ne sont pas du tout bien placés pour rattraper Fred Brassac. Ça risque d'être un peu complexe. Oh, c'est chaud aussi ici, hein. C'est chaud aussi entre les deux. Oh là là. Oh là 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 là, David, aïe, aïe, aïe. David, Frédéric, ah mais c'était sûr, c'était sûr, oh là 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 là. Replay, que s'est-il passé là, là. Et David qui laisse passer Frédéric, il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Ouais. Erreur de David qui tape le cul de Frédéric Raymond malheureusement. Et qui le laisse repasser sur le... Christian cette histoire, ça profite à Christian. Ah là 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 là, dommage ça à messieurs. Aussi, et ça profite même à Fred Brassac. Voilà, mais on retrouve toujours Frédéric Raymond devant David Duris. Ouais, je pense qu'il l'a laissé. Il l'a laissé revenir et tout, mais on retrouve quand même cette petite bataille qui va continuer à la position 10 et 11 maintenant. C'est plus la même, ouais. Et regardez, Pascal Mirand est passé devant, Romain aussi, P8. Et bah, c'est pas plus mal pour Pascal qui, du coup, Reprend un petit peu. Oui, effectivement. En tout cas, repasse devant David. David s'arrête. Peut-être un peu de dégâts. Et est-ce que c'est le moment? Je pense que David tente. Oui, il a bien fait. Il a pas tort, David. Autant s'arrêter maintenant. Il y a des dégâts. C'est un bon choix. On va regarder ce que allez, ça donne. Allez, voyons son arrêt. C'est long. Ça m'inquiète. Peut-être un peu beaucoup. De réparation. Non. Croyez qu'il va y rester? Non. J'ai l'impression qu'il arrête, hein, David. Je le vois pas repartir. Ah, c'est dommage que. Il faut lui dire à David. Bon, il a tapé, mais c'est voilà, ça peut arriver. Il faut pas ce qu'il fait, David, là, oui. J'ai l'impression que c'est arrêt définitif, là, pour David. J'espère que non. J'espère qu'il va revenir dans la course. Il aurait pris. Non, je vois pas. Il est rentré trop vite dans les stands, vous croyez? Non, il serait bien parti. Non, je pense pas. Là, on dépasse la minute là dans les stands. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être, il a. Peut-être, vous avez raison. Ah, il repart. Oui, regardez. C'est une vitesse trop importante dans les stands. Il y a possibilité. Effectivement. Bon, on va pouvoir oublier David du coup pour cette course numéro 1. Compliqué. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait être chaud cette histoire de rentrer vite dans les stands. Peut-être que ça va être trop. Il vaut mieux rester comme à l'ancienne, parce que 1 minute 23, d'arrêt, ce qui est énorme, hein. Énormissime. Ça va être difficilement récupérable, par contre. Hein. Est-ce que Christian est en train de revenir? Oui, Christian est en train de revenir un petit peu sur Fred. Donc Christian a une belle position à jouer, là. Le petit groupe, c'est pas fini. Paul est un peu plus loin... Paul suivi. Et Romain toujours avec Pascal. Hein, toujours en train de se petit batailler, j'ai envie de dire. Attendez, je suis perdu. David, c'est David Duris devant, mais il a un tour de retard. Je comprenais plus. Je me disais, mais c'est pas possible. David vient de sortir des stands, rappelez-vous. Effectivement, je comprenais pas. Donc là, c'est pas mal pour Paul, parce que David roule assez vite, donc ça peut faire un beau lièvre. Hein. Ah, tout à fait. Ça peut être un beau lièvre. Ah, allez, on va se mettre un petit peu sur... Les positions, avec un petit Kevin en première position, Benoît en deux, Grégory en 3, Frédéric Dran en 4, vous y êtes dessus avec Christian derrière, Christian qui veut aller chercher ce P4. David, attendez, je crois qu'il y a encore un crash de David, qu'est-ce que c'est? Aïe aïe aïe. Non, je pense pas. Oh là là. Il s'arrête, je pense que c'est abandon pour David. Qu'a-t-il fait? C'est abandon pour David, il abandonne. Il a compris que la course était terminée, je pense. Aïe aïe aïe. Ouais, je pense qu'il a compris que la course était terminée. Malheureusement. Et nous avons un arrêt au stand de Frédéric Raymond et de David Duris. Mais David Duris, on sait pourquoi. Mais Frédéric Raymond qui vient de s'arrêter au stand. Il repart cette fois assez rapidement.
Écoutez, moi j'ai ça c'est. 16 secondes, ça me paraît énorme. Passe, hein. 16 secondes, ça me paraît énorme, moi. Oui, et puis il y a encore, ça fait 45, 46, 46. 46 dans les. D'arrêt général. Ouais, c'est beaucoup. Que se passe-t-il? Il est rentré trop vite aussi, peut-être. Ah, ça va être énorme. On serait pas à l'abri d'un loupé encore, effectivement. Ou alors, je sais pas. C'est complexe à savoir pourquoi, là. On va voir les arrêts des au stand des autres. On va vérifier les arrêts, mais ça me paraît beaucoup, quand même, pour mettre un peu d'essence. Oui, et là, je pense qu'on est encore loin des réservoirs vides, là. On est à allez, un peu plus de la moitié de course, mais sans plus. Je pense qu'on a encore facile 7-8 tours avant de vraiment... Christian, mais vous y êtes dessus. Christian qui commence à se rapprocher furieusement de Frédéric. Christian se rapproche, effectivement. Et vous connaissez ce pilote quand il est en train de chasser quelqu'un. Attention. Attention. Attention à Christian. La seule Aston Martin du plateau. Elle est là, ouais. Martine. Elle est là. Martine, tout à fait. Ça va se chamailler, je pense. Ça va pas rester comme ça jusqu'à la fin. Ah, je crois qu'on a loupé un dépassement que je vais vous remontrer, mais on a Pascal qui on a Pascal qui avait doublé Romain ici. Voilà, en direct sur la ligne droite. Les deux qui se bataillaient depuis un moment, ils étaient collés les deux. Parfait. Ouais, magnifique. Et j'ai l'impression que Pascal a du coup un petit peu lâché Romain, parce que Pascal roule plus vite. Pascal P8. Ouais, Pascal roule plus vite. Frédéric Brassac devant, Frédéric Brassac. Non, mais Christian s'est arrêté. Christian s'est arrêté au stand, calmez-vous. Ah, d'accord. Alors, Christian, on est sur quoi comme arrêt là? Alors, Christian, il est à 20 secondes, 21. Alors, dans les box, il est à 12. 13-6 dans les box. Je pense qu'il va repartir. C'est pas déconnant, tout à fait. Il a mis un peu plus d'essence. Ou un peu moins, peut-être. Par contre, j'ai pas son chrono de sortie de stand au total. Là, 46. Frédéric Raymond, 46 et 43-9 pour Christian. Ouais. 43-8 pour 13-7, c'est ça? 13-6 et 43-9, moi j'ai. Ouais, bon, d'accord. On est bon. À une vache près, y a pas de soucis. Ok, d'accord. Donc là, on est donc bon. Donc ça va Christian tourner à ça, ouais. Ça va tourner à 40. Christian est reparti 11e. Étrange décision peut-être de s'arrêter si tôt pour Christian qui était en train de revenir sur Frédéric. Ouais, je sais pas, il tente, écoute, ça se tente, à voir si c'est efficace. Là on se retrouve avec un P1, P2 assez serré toujours, ou non, pas plus du tout serré même. Plus du tout serré avec Kevin qui s'est largement échappé. Ouais. Attention à Benoît. Derrière Grégory Jarret, toujours espacé relativement aussi. Frédéric Drain, tout seul maintenant. Ensuite, nous avons Paul. Tout seul, non, Paul qui se bat avec Brassac. Ouh là là. Et Paul fait une remontée de titanesque. Oui, hein. Plus 5 pour Paul, plus 5. Paul nous fait encore une course exceptionnelle avec un tour qualif qui était pas incroyable, je crois. Oh, c'est une belle bagarre là, les deux. Hein. Ça croise, ça décroise, et là ça va passer cette fois pour Brassac. Et Fred Brassac qui revient 5e, comme quoi il était 7 ou 8 là, Fred Brassac. Je rigole tout seul, mais j'ai un babouin of the jour quand même pour Frédéric Raymond, il a fait moins de 10 lui. Moins 10, c'est pas mal, hein. Après, pour le coup, on t'embrasse, Fred. Oui, attention, oui, il s'est déjà arrêté. Oui, il s'est déjà arrêté. Donc, il ne sera pas moins 10 parce qu'il s'est déjà arrêté. Et après, on peut pas dire qu'il c'est a pas été. De sa faute. On peut pas dire qu'il a été le plus fair play non plus. Me semble-t-il. Qu'il faute. A... Si, il y a eu un assassinat quand même avant. Donc, ah bon, ce n'est qu'un retour de bâton.
Je l'ai pas vu. Paul qui se fait larguer d'un coup là par contre. Là, on a Fred Brassac qui vient s'envoler et bizarrement Paul. Peut-être un slowdown qui est tombé pas, peut-être. C'est pas possible, possible. Ah oui, parce que il était vraiment à la bataille. Allez, on va voir si les arrêts au stand vont un petit peu raccourcir ces écarts qui commencent à être assez importants. Hein. On a 3 secondes entre le premier et le deuxième, avec 2 secondes 5. Grégory derrière à 4 secondes de Benoît. Ensuite, 13 secondes pour Fred, extrêmement loin. Fred Brassac, 6 secondes aussi, ça commence à être des écarts vraiment importants. Ouais. On a Pascal qui peut revenir encore. Hein. Pascal qui est en moins 2. On s'est en fait taper au début, c'est vraiment pas si mal. Pascal, il est revenu P7, hein, c'est vraiment ouais, pas si mal du tout. Belle remontée de Pascal. Enfin, belle remontée. Oui, si. Bah, si, remontée du coup. Oui, par les circonstances des choses, effectivement. Mais il essaie de récupérer sa cinquième place. Hein. Je vous rappelle qu'il était parti P5. Hein. Ah, s'il finit même P6 ou P7, ça sera un moindre mal. Hein. Après, Ouais, bien sûr. Pas une grosse perte de points et au final. Alors, est-ce que l'usure des pneus va jouer sur cette piste qui est quand même très sinueuse? Non, on va pas rouler assez. Je pense pas. Peut-être qu'à la fin, oui, ça va commencer à tirer un peu la tronche, mais pas de quoi se faire très peur. Ça sera juste moins rapide, je pense, c'est tout. Allez. Je pense que les meilleurs chronos sont déjà passés. De toute façon, là, on est sur. Malgré le fait qu'on arrive avec low fuel, les pneus sont déjà peut-être un peu dégradés. Et vous voyez, les meilleurs chronos ont été faits au début. Hein. Là, moi, les 1.24, 1.24, on n'en a plus. Hein. Là, ouais. On est en 1.25 devant, 1.25, 1.25, 1.25. Là, on a un Greg Jarret qui fait des derniers tours plus intéressants que devant et ça rattrape un petit peu. Il est en train de revenir légèrement. Il réduit ses 4 secondes à 2-3 secondes, donc il a gratté une seconde pour l'instant, Greg. Fred Brassac, Fred Dranet, c'est pas le cas. Hein. Lui, il a reperdu du temps, il était à 13, il est passé à 14, donc c'est vraiment Grégory qui a fait un effort là. Ouais, Grégory roule 4 dixièmes plus vite que tout le monde en ce moment là, donc ça change tout. Hein. C'est incroyable! Hein. Frédéric Brassac essaie de revenir un petit peu. Paul s'accroche, Pascal aussi. Romain derrière a été un peu lâché, mais il est toujours là pour quelqu'un qui s'est pas du tout entraîné au final. Romain, c'est pas dégueu, 8e. Stéphane Liedot, position numéro 9, qui a pris 3 places. Ah, attention à pas oublier Christian. Christian qui est P10, mais Christian qui s'est déjà arrêté. Ouais, il s'est arrêté. Il est P10, mais il s'est arrêté. Christian qui a 10 secondes, on fait des arrêts en combien? En 43. 43, ouais, à peu près entre 43 et 46 pour le moment. Un bon arrêt, on va dire que c'est peut-être 40 avec moins d'essence. Donc 40, Christian sera bien mieux placé que ça. Hein. Donc attention à Christian. Je vous rappelle que Christian est parti au stand, il était P5. Donc, Ouais, je pense qu'il a peut-être même presque un coup à jouer avec Frédéric Dranet. Oups, qu'est-ce que j'ai vu? Que se passe-t-il? Tac tac tac. Rien vu du tout pour l'instant. J'étais sur la petite Paul et Pascal qui sont quand même en train de se chauffouiller un petit peu. Paul. Ça me laisse le temps Paul et Pascal sont en train de ils sont relativement proches parce que pit stop pour Greg, je crois. Ah tout à fait. Tout à fait, Grégory qui choisit de s'arrêter avant les deux leaders. Deux leaders, ça n'existe pas. Avant le leader. Alors, combien, et le deuxième. Combien pour Greg? Alors, on va avoir un chrono référence dans les stands, là, Grégory. 12-3. 14-8, c'est pas fou. Hein. L'arrêt de Christian était très bon. L'arrêt de Christian était très très bon. Et Grégory qui sort au bout de... 2, 40, 41, 42, ça sera 43, 44, 45, 1. Et c'est bien ce qu'il a fait, Christian. Je te dis, Christian a gagné énormément de temps, là, Christian. Arrêt au stand de Paul. Paul a arrêté. Et Stéphane aussi, Stéphane Ledo qui vient de s'arrêter. Paul qui a fait un arrêt merdique. 19 secondes, c'est pas fou. Hein.
Donc ça va partir en 47. Ah non, il repart avant. Ah non, mais ça va switcher, pardon. Ouais, il fait peur, c'est Christian encore, qui remonte. Et Christian qui remonte. Christian reprend ses places, hein. Christian reprend ses places, oui. Alors que Paul a fait un arrêt en 48-7. Ah, c'est pas fou ce qu'il a fait Paul en 19 secondes là. Il a peut-être été très précautionneux. Hein. Oh là là, directement une attaque peut-être sur. Sur qui il est sur qui là Fred Raymond. Ouais, il est sur Fred Raymond et Fred Raymond qui va remonter. N'oublions pas que Fred Raymond est arrêté aussi. C'est déjà arrêté, pardon. Crash de Romain, crash de Romain. Aïe. Qu'a fait Romain tout seul, il s'est. Oh là là, il s'est complètement loupé. Romain qui n'a pas freiné, ça va, il a pas perdu. Ça va. C'est pas une catastrophe ce pour Romain. C'est plus pas le sable de l'époque, il a de la chance. Alors que on s'arrête sur la P1. Ouais. Le P1 et Pascal. Pascal vient de s'arrêter. Kevin et. Ah, tout le monde s'arrête. Il n'y a que Frédéric Brassat qui ne s'est pas arrêté. Et Jean-Michel Pradal qui ne se sont pas arrêtés avec Alexandre Longeau. Je vous dis que c'est Christian qui a fait le meilleur arrêt. Ouais, mais Christian, il va remonter, mais comme une flèche, vous allez voir. Christian qui a fait le meilleur arrêt. Ah ouais, j'ai un arrêt de Kevin en 45-7. Grégory 45-1. Oh, l'arrêt de Fred va pas être dégueulasse, mais Christian repasse. Ouais, Christian, il a explosé. Ah, c'est énorme, quatrième. Bravo. Magnifique. C'est dingue, magnifique. Ça fait deux fois qu'il nous fait ça, hein, Christian. Exactement. Coutume du fesse, on peut pas dire que ça soit au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Hein. Et Pascal qui est revenu P6. Pascal qui a fait un arrêt en 45-8. C'est pas mal, pas si mal. Non. Pas si compte mal. Compte tenu des autres arrêts avec un peu plus d'essence. Est-ce que Fred, non, Fred tout le monde s'est arrêté. Non, moi j'ai Fred Brassac qui est leader. Ah oui, pardon. Oui, Fred ne s'est pas arrêté. Sous les conseils de Bidossac, bien entendu. Crash. Oh, Grégory, j'arrive, c'est pas possible. Crash, qu'est-ce qu'il nous a fait, Grégory? Il a fait une... Une Grégory Jarret. C'est la même. Mais regardez, il prend ses traces. Allez, on va revenir sur l'arrêt au stand de Fred Brassac. Fred Brassac, où est-il? Il est deuxième pour l'instant. Ça va faire 3. Kevin, tu viens de récupérer la P1. Ça va faire 4. Grégory. Oh là là, c'est pas mal ce qu'il fait, Fred. Hein. C'est pas mal du tout, où, Fred. Hein. Où est passé Benoît Bibard? Mais que s'est-il passé? On a perdu Benoît. Bah écoutez, Kevin Lambert, Grégory Jarret, Frédéric Brassac, Christian Garcin, Frédéric Dran, Pascal Miran, Benoît Pédis. Que s'est-il passé? Ah non, il a fini par se faire doubler. Mais Fred Brassac, il s'est fait doubler, mais il a retrouvé le top. Alors attendez, il y a un truc qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a loupé? J'ai une 26 d'arrêt dans les stands, moi, de Benoît. Une 26, une minute 26, qu'est-ce que c'est ces histoires? Eh ben. Ouh là 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 là, il est rentré trop vite aussi! Il y a des chances! Ouh, ça va discuter ce soir! Je vous l'avais annoncé ce truc! Oui, mais des fois il y a trois lignes, fois il y en a deux, ouais, d'accord! Je suis désolé, hein, je fais un petit retour en arrière, je voudrais bien voir ce qui s'est passé quand même. Mais allez-y, parce que c'est quand même important! Nous avons Kevin Lambert, P1, Grégory Jarret, P2, P3, Christian Garcin, Frédéric Dran, P4. À regarder mon... Et Frédéric Brassac, P5, je vous en prie. On va voir la rentrée au stand de... monsieur... Alors, bougez pas, je vais faire un truc. J'aimerais voir sa vitesse. Regardez sa vitesse ici. Ouais, c'est ça. Alors sa vitesse ici. Oh, j'ai pas l'impression pourtant, bizarrement. Ah mais il y a quelque chose, autre chose alors que c'est... Il a mordu. Ah j'ai pas. Il s'est arrêté en même temps. Il s'est bien arrêté en même temps que Kevin. Et Kevin mais devant il lui. Passe c'est une Kevin minute. Hein. Ouais mais il passe une minute. Hein. Qu'est-ce qu'il fait au stand? Oh là là, il est coincé au stand, oui. Il a passé une minute 26. Il a remis trop d'essence, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Là je. Ah, on lui demandera parce que. De cacahuètes, là. Rappelez-vous, David avait passé 1 minute 37. Et j'en connais un qui se frotte les mains, c'est Monsieur Lambert qui se dit cette fois.
C'est pour moi. C'est pour moi ou pas? Alors, il regardez, peut... Christian Garcin numéro 3. Et Christian Garcin numéro 3, attention. Il peut y avoir encore des vibreurs, attention. Magnifique. Attention, Kevin. Non, mais je crois qu'il a le meilleur temps autour, non? Oui, oui, oui. Non, ah, s'il ne l'a pas, peut-être, ça peut vibronner. Ah oui, 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 oui. Il ah, mais s'il l'a, alors. Alors il va assurer. Il va assurer alors. Bah, du coup, belle affaire pour Grégory Jarret aussi. Hein, belle affaire qui se retrouve. Ah, P2, belle P2, ouais. Et Christian qui nous fait une P3. Frédéric, solide P4. Et du coup, Fred P5, Brassac P5, Fred Drané, bah, du coup, il se retrouve à nouveau P4. Lui, elle, P4, lui garde et sa deux place de prise. Hein. Ouais, mais il a quand même perdu dans l'histoire une place gratuite que Christian a pris de main de maître avec un undercut Christian, incroyable. Christian, 4 positions de gagner, mais 4 positions de gagner, c'est... Ouais, 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 c'est dans les stands presque, il en a gagné 2 ou 3 dans les stands, c'est incroyable. Bien meilleur arrêt au stand que tout le monde là-dessus, Christian. C'est lui qui a le meilleur arrêt de toute façon, Christian. Et ouais, notre champion, notre champion BMW, il est où? Eh ben, je ne sais. Il est où? P7, Frédéric Raymond, P7. Mine de rien, ça limite bien la casse, hein, avec tous les incidents qu'il aura subis et... C'est un bien grand mot. Ah, les deux. Ah, le deuxième, c'est pas de ta faute. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça a été rock'n'roll un petit peu pour tout le monde, hein, cette piste. Mais comme disait, parce que vous savez bien que je suis obligé de placer mon petit proverbe, comme disait Léo Campion, le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de l'automobile. Je vous laisse méditer là-dessus. Frédéric Raymond, si tu nous entends. David Duris, on vous embrasse. Ah, pour l'instant, je crois que le Babouin of the Jour, pas trop de suspense. Ah, hein. Écoute, je sais pas qui tu veux dire, mais moi, c'est la Christiana d'un là. Et voilà, moi j'étais entièrement d'accord avec toi. Mais alors. Oh là, Romain, le crash de Romain. Qu'a-t-il fait Romain? Est-ce qu'il s'est encore loupé? Si c'est ça, c'est pas très grave. Oui, je pense qu'il a encore sous-viré. Ok, c'est pas une catastrophe. Par contre... Non, mais il aime bien ce virage. Je pense qu'il refroidit ses pneus, moi, dans le sable, là. Il est en train de refroidir ses pneus. Par contre, il donne une place à Benoît. Il redonne une place à Benoît, qui est tout content de récupérer une place gratuite, là, sur Star, je pense. Et Benoît qui nous remonte P9. Mais alors, il faudra lui demander à Benoît qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, incroyable revirement, hein. Alors, une histoire se répétant, on a Monsieur Raymond qui est en train de rattraper Monsieur Mirande. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas quelque chose? Écoutez, est-ce qu'il a bien calibré les freins à son arrêt au stand, là, Monsieur Raymond? Là, j'en connais un qui sert les cuisses devant, je peux vous le dire. Ah non, mais Pascal, il regarde pas le rétro aussi? Si. Ah, je peux vous dire que pour une fois, Gandalf serre les fesses. Alors que devant, nous avons Christian Garcin, Frédéric Drané qui n'est pas très loin, mais qui est quand même assez distancé. Frédéric Brassac derrière. Frédéric Brassac, voilà, bon, c'est ça, roule, ça que ça je roule cherche. Vraiment dans les mêmes chronos, hein. Frédéric Drané et Frédéric Brassac, on est au centième près, donc Paul, crash de Paul. J'ai un crash de Paul, malheureusement. Est-ce que c'est juste un loupé? Ah, je pense que c'est le même loupé que tout le monde, là. Ouais, c'est le même loupé que tout le monde. La voiture a l'air de plus vouloir freiner. Hey, vous voyez, peut-être derrière, c'est Bibard. Regardez Benoît qui va venir mettre la cisonie. Derrière, c'est Bibard qui s'est dit, je suis bientôt troisième. Ça continue comme ça, je suis bientôt troisième. Mais... une déconvenue quand même pour Benoît, P9, P9, ça va être une petite déconvenue pour Benoît, hein, s'il peut finir dans le, voilà, s'il peut remonter encore une place ou deux, il va le faire, hein, Benoît, pas de doute. Moi, je vous cache pas que là, jusqu'à la fin de la course, je reste ici, moi, c'est popcorn, là, je suis en mode popcorn, là, j'attends Monsieur Mirande et Monsieur Raymond, j'attends le face-à-face. Malheureusement, il peut y avoir un face à face. 5 tours pour le pestacle. Aïe, ça se rapproche. Ça se rapproche.
Ah, Frédéric ne lâchera rien, hein, vous le savez. Alors, et il a des freinages très impressionnants. Très impressionnants. Et il s'appuie beaucoup sur le freinage de l'autre, hein, j'ai l'impression. C'est Grand Tourisme. Et ben Benoît passe Paul, ça y est. Et Benoît qui sauve les meubles. Et voilà. Et oui. Pour Benoît, et oui. Ça sauve les meubles pour Benoît. Incroyable. Avec un Christian toujours P3, Grégory toujours P2 qui est très très loin de Christian. Et Kevin qui a fait une course, magistrale en fait. Kevin. Il a été aidé par l'erreur de Benoît, mais il s'est. Ouais. Parce que Benoît était là, hein, Benoît était là d'ailleurs, mais une minute et quelques, une minute 26 au stand. Il y a un truc là, il y a un truc qu'on a zappé. Parce que c'est pas normal que Benoît soit largué comme ça. Christian et Frédéric, n'est pas loin. Oui, mais je vois. 5 tours. Mais c'est vrai que là, quand même. Alors, on peut pronostiquer ou l'erreur de freinage de Frédéric Raymond qui envoie Pascal Mirande dans l'herbe, ou Frédéric Raymond tout seul comme un grand qui va dans l'herbe par trop d'enthousiasme. Vous pariez sur quoi, vous? Je parie sur Pascal qui veut refermer la porte et malheureusement Fred Raymond qui se trompe de pédale. Ou Fred Raymond qui dit j'y étais, j'y reste. Quoi. Ça passe, Fred Raymond qui dit ça passe. Allez messieurs, faites-nous rêver. Mais attention, Frédéric Raymond a déjà tapé 2-3 fois, peut-être il est moins agressif que d'habitude. Comme quoi, sur ce circuit compliqué, on aura eu des surprises. On pensait que ça allait être le petit train, mais pas du tout. Eh bien non. Pas du tout, une belle position de Frédéric Brassac, P5. Regardez-moi ça. Des surprises plein la musette. Incroyable ça. Rendez compte. Christian qui est un petit peu tranquille. Tranquille là, oui. Par contre, Fred Brassac revient légèrement, messieurs. Ouais. Mais une seconde 3, ça va être compliqué de. Aller chercher Frédéric Brané, ouais. Après, il peut lui mettre la pression, mais. Quoique je dis mais ça. Mais vous savez que. Quoique plus je dis ça, plus il se rapproche, mais. Non, mais c'est quand même un pilote étrange, Frédéric Brassac, parce que toutes les fins de course, il arrive à revenir et à mettre la pression sur le type. Alors qu'il est mauvais comme pas permis au début. On ne sait pas pourquoi, mais. Et il revient. Pas du tout ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il roule plus vite à la fin quand même. Il revient, et je pense que là, il se dit maintenant, il faut mettre la pression. Ah, une petite erreur là, il vient de faire une. Je pense que c'est Frédéric Drain qui a peut-être fait des erreurs là parce qu'on a. Une seconde de gagner en un tour, hein, donc ça fait beaucoup quand même. Après, il reste que 3 tours. La Porsche en fin de parcours peut-être aussi un petit peu plus véloce, c'est possible. Ouais, regardez, hop là, ça gagne un peu. Ce gros paquebot de Mercedes qu'a pris Frédéric Drain. Ça se rapproche. Ah ouais, mais beaucoup, je trouve, beaucoup. Après, c'est au freinage, donc il y a toujours un petit peu l'effet accordéon, mais on est dans le. Oh là là. Peut-être que Frédéric Drain est en train de craquer. Peut-être que Frédéric Drain. Ça serait dingue qu'il perde sa P4, hein. Attention. Ça roule au rétro. Ah, ça serait magnifique. Magnifique pour Frédéric Brassac s'il arrivait à passer devant parce que inattendu à cette position, mais alors Frédéric Drané qui a été P4 quasiment toute la course, là par contre ça serait difficile pour ce pilote d'accepter ça. Regardez ce bagarre. Ça commence à être vraiment tendu là. Ouh là, ça commence Ouh à être. Là. Frédéric Brassac a lâché. Ah, il est gentil, Fred. Oui. Non, mais attendez, il a pas dit son dernier mot. Attendez. Il est pas gentil, c'est une fiotte. Je vous le dis. Il ne veut jamais attaquer. Non, mais c'est fini. Je vous le dis, il attaquera pas. Ah là. C'est vraiment un petit joueur. C'est dommage parce qu'il y était là. Il était dans les roues, hein. Ouais, oui, c'est un petit joueur. Ouais, il a complètement relâché. Là. Nul. Mais
Nul. Alors attendez, non, regardez. Il essaie de revenir, mais. Je suis déçu. mais c'est. Non, mais après, il a pas voulu peut-être jouer toute la course sur une attaque un peu suicide, qui aurait pu mettre les deux pilotes dans l'herbe. On essaie de le rattraper alors. On essaie pas de le rattraper si c'est pour arriver à 2 dixièmes et il est en danger de lâche. C'est pas faux. C'est pas faux. Excusez-moi, mais. C'est pas faux. Ah, c'est peut-être pour montrer au pilote, t'as vu? J'aurais pu te passer là, mais bon, comme c'est un peu dangereux, je vais pas le faire. Mais t'as vu, quand même, j'étais dans les pieds, quoi. Tu vois. Allez, c'est peut-être pour lui montrer qu'il a dans les pieds, quoi, tu vois. C'est le dernier tour. Il y est encore, hein. Ah, c'est fini, c'est le dernier tour, là. On a la course qui est finie devant Kevin premier. Ah, il va pas faire un dive bomb, hein, ça c'est sûr, par contre. Hein. Kevin premier. Suivi de Grégory. Ça arrive. Tout à fait. Suivi de Christian. Magnifique Christian. 4 places de prise. Suivi des deux Frédéric. Et où est le troisième? Il n'est pas si loin le troisième. Incroyable. Pascal Mirande, P6, Frédéric Raymond, P7, grosse limitage de casse hein, pour Frédéric Raymond. Ah là, le troisième, ouais, tout à fait. Benoît Bibard, P8, catastrophe pour Benoît, Paul P9, Romain P10, Stéphane Niedo P11. Jean-Michel P12. Ah, on a eu P13. Un abandon d'Alexandre ou il a fait... Ouais, je pense Philippe Rémo, P13 et Alexandre et David se sont garés sur le côté. 14e Alexandre et 15e David. Non, j'ai un drapeau d'Amier pour Alexandre, donc je pense qu'il a fini. Il a fini parti, quoi. Il travaille à la mairie ou quoi? Le mec, quoi, à peine il passe la ligne, quoi. Hey, oh, foutez-moi le camp. Hein. Incroyable, quoi. Incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça, mon petit Tom? Eh ben voici. Regardez-moi ça, si c'est beau. Mercedes, BM, Aston Martin. Alors, y a pas de la bop dans e-racing quand même? Eh ben oui, regardez-moi ça, magnifique. C'est beau ou pas? Bon, il manque une McLaren qui est positionnée par là, mais... Voilà. Une Porsche, regardez, une Porsche en 5e position. Non, c'est... Vous voyez? Comme quoi, le pilote fait beaucoup dans une voiture, quand même, malgré tout. Alors, on a... Mais vous l'avez dit, on va pas le redire. Oh, c'est impeccable, on a tout fait, là. On va directement sauter aux interviews. Ah, écoutez, le babouin of the jour... Ah, alors, on peut demander quand même à ceux qui nous suivent. Non, des informations farfelues sur les noms des virages. C'est décidé, c'est Christian. Allez, nous allons aller chercher le babouin of the jour. Oh, magnifique. Allô. Bonsoir. Oh, pardon, bonsoir, excuse-moi, je suis en train de faire autre chose. Comment que ça va, monsieur le commentateur? Bonsoir, monsieur Christian, et vous? Comment allez-vous? Eh bien, bien, très très bien, très très bien, très bonne course pour moi. Ah, écoutez, quelle magnifique course, Christian, encore une fois. Ah ouais, là, franchement, je suis content. Parti P7, là, quand j'ai vu les chronos des mecs devant, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber, éteins ton volant, éteins l'écran, on va te coucher. Mais finalement, tu vois, j'ai dit, bon, je vais faire la course, je vais te tenir devant un petit peu. J'ai laissé passer David au début, parce que c'est vrai qu'il était plus rapide que moi. Et au fur et à mesure des tours, j'ai approché le petit train, puis... Ah ben oui, c'était bien. Tu as bien fait. Très bonne stratégie, Oui. Puis après, j'ai bataillé avec Fred Brassac, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Fred Drané, je sais plus. Fred Drané. Fred Drané. Mais lequel? Le premier ou le vrai ou le faux? Je ne sais plus, en fait. Le vrai. Le faux était P1. Je savais que je gagnais du temps sur lui, mais j'avais pas le doublé, donc je vais pas doubler comme un pourcasse, donc je suis rentré au stand avant, et puis voilà, j'ai bien fait parce que j'ai repris la place. Premier à rentrer au stand avec une belle... Un bouton au stand, bravo. Malgré le fait que tu aies mis plus de fuel que les autres, tu as le meilleur temps. Tu as le meilleur arrêt. C'est ça.
Mais comme d'habitude, mes gars, mais j'ai des mécanos, c'est des mécanos, en fait, je les paye pas. C'est incroyable. C'est des bénévoles, c'est des bénévoles. Vous avez fait ça la dernière course et tu nous refais oui. ça là, quoi. Ce mais je les ai gardés. Ce qui est surprenant, c'est que le deuxième meilleur arrêt, c'est Fifi Remo. Ouais. Alors, ouais. Ça, c'est comme quoi. Comme quoi les vieux, comme quoi, tu vois, les vieux, ben, on travaille bien. Ah. On est plus rapide à notre âge. Bah écoutez, je laisse Tom vous annoncer quelque chose avec ça. Oh, bah ouais, oui. On vous aide. J'y ai pensé. J'ai dit, si jamais je me plante, ils vont me dire, putain, à un poil du cul près, t'aurais été pas mal de mérite grave. Plus 4, ah, donc, plus 4 places, ouais. C'est un undercut mais... de l'enfer. Eh bah, mes félicitations. Ah, bien, ouais. Voilà. Mais de rien. Un beau podium. Et un joli podium. Ouais. Ouais. Après, ça a des connexions. Je sais pas qui c'est qui a pris un drapeau nord devant. Je crois que c'est Benoît ou je sais pas qui. Et Benoît, il faut qu'on le reçoive parce que ouais. J'ai pas compris. Il a eu une 26 au stand. Lui. Il, est ouais, il a pris un drapeau noir. Il y a un qui a pris un drapeau noir par rapport à l'arrêt au stand. C'est David, je pense. C'est David, peut-être. Je vais aller chercher. On va aller chercher les autres. Merci, messieurs. Continuez comme ça. On vous suit de près. Oui. Christian, ils arrivent trop vite dans les stands, après ils gueulent parce qu'ils ont un drapeau noir. Mais c'est ça, parce que les mecs, ils ont vu quelque part que tu pouvais rouler 10 km de plus. Mais non, mais les gars, c'est 50, c'est tout, c'est comme ça, voilà. Reste tes trucs, bordel, quoi. Allez, bravo, Christian. Continue comme ça, bravo. Ouais, bravo à tous, ciao. Qui est-ce qu'on va chercher, du coup, là? Écoutez, il nous faut des explications. Ah, Kevin, il le faut, oui. Allô. Eh, bonsoir, monsieur Kevin. Messieurs, dames, bonsoir. La voici enfin. Elle est là. Alors, j'aimerais dédier cette victoire à ma famille, mes sponsors. Tous ceux que j'oublie. Voilà, c'est tout. Et Benoît, t'es nul. Voilà. Bon, c'est fait, merci. Est-ce que vous avez une information sur ce qui est arrivé à Benoît? Oui, il s'est pris un drapeau noir à l'entrée des stands. Non, on a vérifié, c'est pas la vitesse. Alors il a peut-être coupé la ligne, parce que c'est pas une question de vitesse, il est bien à 60 sur la ligne, donc il y a... Ah, parce qu'il comprenait pas. Mais pour moi, il a coupé. On n'a pas regardé, je pense qu'il a coupé une ligne. Mais c'est okay. Pas la vitesse, parce que la vitesse elle est bonne. On a vérifié justement en live si c'était la vitesse. Ouais. C'est... Okay. Et du coup, on n'a pas regardé si c'était la ligne. Et je pense qu'il a charcuté la ligne de peut-être très peu, hein, parce qu'il ne faut pas grand-chose sur iRacing. Mais... Ouais, ça c'est sûr. Eh ben, on va pas rester des heures avec vous. Vous avez gagné. Félicitations. C'était incroyable. Voilà. Kevin, ah, le championnat est bien lancé. Et je te souhaite d'arrêter d'être le Polydor de la BB1 et d'arriver à arracher cette première place. Je vais la prendre, cette médaille. Je te cache pas que on savait qu'on a arrêté de te regarder. Comme il n'y a pas de vibreur dangereux sur le circuit, on a lâché l'affaire. Et en plus, tu avais le meilleur temps. Donc on s'est dit, c'est très bien. Je vais vous avouer un truc, c'est que les 4 derniers tours, j'ai essayé d'aller faire mieux que mon meilleur chrono. Il est vraiment court comme un balai. Incroyable. Allez, bisous, chez moi, merci. Ah, Kevin, bravo. Bon, on va prendre qui? Est-ce qu'on va prendre un Fred Drané? On l'a jamais, on va quand même aller le chercher. Ben pour une fois qu'il roule. Bonjour. Et bonsoir, monsieur Fred. Et messieurs, bonsoir. Ah, ça fait plaisir, une petite course solide de Frédéric. Voilà, quatrième position. Il transformé, messieurs. Les solide. Transformé. Ah, écoute, non, ça a été une. Alors, de mon point de vue, une course très solide. Donc, partie P6, tu finis P4 avec un Fred Brassac qui vient te titiller sur les 3-4 derniers tours. D'ailleurs, comment l'as-tu senti là, sur la fin là? Parce qu'il commençait à montrer le museau quand même, hein. Ah ben oui, il avait beaucoup de vitesse sur la fin. Moi, l'objectif, clairement, c'était d'assurer et de pas faire d'erreur. Donc, j'ai pas cherché à surconduire, surtout en début de course, parce que en fait, j'étais dans un paquet de mecs qui étaient tous plus rapides que moi, hein, en réalité. Christian aussi, il m'a mis la pression, mais bon, je l'aurais pas bloqué parce que je voyais qu'il revenait fort et qu'il était beaucoup plus rapide. Donc bon, après, on connaît Christian, hein, c'est une fusée. Donc du coup, voilà. Mais Fred Brassac sur la fin, il y a un bon moment où je l'ai tenu. Et puis, j'ai pas fait vraiment d'erreur, mais je pense qu'il était tout simplement plus rapide.
Et malheureusement pour lui, dans la fin de l'avant-dernier tour, il aurait pu se coller à moi pour m'attaquer, ben il prend slowdown. Ah, c'est un slowdown. C'est un slowdown, mais tu vois, voilà. Non, tu l'as traité de fiotte, tu l'as traité de fiotte. Non, non, mais rendons à César ce qui est à César, tu l'as traité de fiotte, moi je l'ai traité de gentleman. Attention. C'est qui le boss des Fred là ce soir? Ah, ça ferme des J'essaie de finir la course pour une fois. Après, tu as été bien aidé par Monsieur Raymond, on va l'avouer, qui... Il a œuvré pour tout le monde qui est devant, Fred. Honnêtement, Fred, au début, je le voyais un petit peu en surconduite. En début de course, je pense que j'étais un peu plus rapide que lui. Et en fait, on était tellement en paquet. Il y a la petite touchette avec, avec Pascal. Et profite. Ouais. Et j'en profite, mais après, on connaît Fred Raymond, hein, c'est de la dynamite, et je crois qu'elle était dans la gueule de David, le temps plus tard. Non, c'est David qui l'a cartonné, non pour le ouais, coup, c'est David qui l'a défoncé, ouais. Ouais, là, c'était retour du bâton au bâtonnet, comme on dit. Hein. C'est ça. Il s'est pris le ballon dans la gueule. Paf, pastèque. Ouais. Bon. En tout cas, superbe course, Fred, et très solide, bravo. Merci, les gars. À plus, Fred. Salut les poulets. Bis. Bon, allez, qui allons-nous chercher là? Est-ce qu'on peut en avoir deux en même temps? Non, ça serait ça serait exagéré. Parce que j'allais te dire Pascal Miral et Frédéric Raymond en même temps, mais non, ça va être trop compliqué. écoute, même peut-être quelqu'un du fond du classement, moi, ça, pourquoi pas. Alexandre, il est parti, Alexandre. Ah, il y a Alexandre, il va chercher Alexandre. Allez. Bonsoir, monsieur Alexandre. Alexandre. Ah, mais dis donc. C'est vraiment les commentateurs. Hein. Ils ont rien à foutre de la course. Non, mais s'il commente comme il parle en fin de course, d'accord. Merci bien, Alexandre. Non, il n'est pas au courant qu'on le prend en fin de course des fois ou bon. Retente-le pour Monsieur voir. Monsieur Alexandre, interview s'il vous plaît. Interview. On est à la télé. C'est honteux, c'est honteux. Bon, allez, foutez-moi le camp, Alexandre. Dégagez-moi ça. Allez. Prenez-moi un type qui parle. Frédéric Raymond, il va nous dire dynamite. Le reste. La dynamite, il est là. Allez, Fred. Alors. Alors, ce saut en parachute, ça a été bon ou pas? Ouais, au moins, le saut en parachute, tu peux pas faire de conneries. Tu peux pas freiner, tu peux pas louper tes freins, c'est l'avantage. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Pascal? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que. J'ai pas freiné. Non, si, c'est juste qu'on avait pas du tout la même trajectoire en fait. Et moi, je suis coupé vachement droit et en fait, il a freiné peut-être un peu plus que moi et moi pas assez, et puis voilà. D'accord, et après, le deuxième déconvenu, c'est David qui te rentre ce coup-ci dans le pion et qui te loupé, je me suis loupé sur la vitesse et il m'a tapé dans le cul. Et là, je pense qu'il a eu des dégâts. Oui, il s'est arrêté, il est passé des plombes au stand. Je me demande s'il n'a pas eu un black flag dans les stands, donc du coup, je pense qu'il a complètement craqué ici. Ouais, il avait les boules. Ouais. Je lui ai écrit un message, apparemment, il était un peu dégoûté. Ouais. C'est pas toi, hein, ils te rentrent dedans donc. Ouais, mais bon, c'est ma faute parce que je. Ah, c'est ta faute. Oui, tu loupes, après, malheureusement. Oui. C'est lui qui tape, hein, Mais sur Pascal, ouais, c'était pas. J'ai pas essayé de louper, de doubler ou quoi que ce soit. On n'a pas du tout. Moi, je coupais beaucoup plus que lui et lui écartait. Et... J'ai même failli faire pareil avec Fred Dranus. Oui. Il avait la même trajectoire et j'ai. Mais là, je vais anticiper un peu mieux. Voilà. Ça marche. T'as réussi quand même à limiter la casse, on va dire. Voilà. Le championnat n'est pas fini. Ne me déçois pas, parce que moi, j'annonce sur tous les toits que t'es le meilleur en GT4. Ouais. Alors, déconne pas, putain. C'est pas le cas, tu vois. Il faut oublier là. Surtout les courses qui restent, les deux pistes suivantes. Je peux pas les. Facile. On le sait, t'es artisan. Tu vas prendre le jeudi de repos. Tu vas la travailler. Et tu seras performant ce jeudi soir. On le sait. Allez, bonne soirée, Fred. Bisous, Fred. Ciao. Voilà, ça fait pas mal déjà pour ce soir. Hein. Faut qu'on en garde sous le pied pour les prochaines courses. Tout à fait.
Oh mais écoutez, ça, c'était quand même. Vous voyez, on était. C'est rien, c'était animé. On était parti sur un lait de nom qui allait rien se passer, ma chaise, ceci, cela, mais finalement, voilà, encore une fois, moult rebondissements, on s'est régalé finalement. Et je trouve que c'est bien. Je vais vous faire mon tacle habituel. Quel est le résultat du championnat, monsieur Tom? Alors, voilà, c'est assez simple. Vu que c'est la première course, il n'y a pas tellement de suspense. Saison GT4. Et nous avons simplement. Alors, je vais vous les annoncer à la voix, puisque. C'est la première course, donc on ne peut pas avoir de résultats calculés. On a Kevin Lambert, évidemment, 1 avec 385 points. Grégory Jarret, 350. Christian Garcin, 324. Frédéric Drenne, 305. Frédéric Brassac, 283. Pascal Mirande, 276. Fred Raymond, 268. Benoît Bibard, 262. Donc Benoît Bibard qui, mine de rien... Il va devoir s'employer pour aller... Il va devoir s'employer, là. Là, il n'a plus droit à l'erreur, hein, Benoît. 241. Romain, 230. Stéphane Liedo, 219. Jean-Michel Pradal, 208. Fifi Rémo, 196. Alexandre, 187. Et David, 182. Donc malgré tout, personne n'est à la rue, tout le monde a un petit peu de points, ce n'est pas la catastrophe. Alors reste la première course, voilà. Je vais en profiter qu'on est encore sur le live pour essayer de récupérer, pour éclaircir cette histoire. Il est où ? Benoît, Lap. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est bien vu. Une 39, est-ce que ça se court là ? Non, ça c'est les fractures. En course, en course, en course. C'est bien vu, mais moi, à part mordre le juste avant le cône, moi, il faut remonter juste un peu avant. Moi, j'ai vu qu'il mordait la ligne du cône, mais après, je comprends pas comment il passe autant de temps juste avant, ouais, juste avant ça. C'est pas là. Et non, mais peut-être pas. Ici. Non. C'est non. Peut-être ouais, ici. Voilà, voilà. Non. Rentrez là. Non, je il comprends est dans pas. Non, mais il arrive. Il a 61, c'est pas possible que ce soit ça. Mais c'est... il faut rentrer à combien ? À 50 ? Je crois. Non, pourquoi 60, il rentre à 61 ? Ah, il y a le panneau 60, mais c'est peut-être 50. Je dis peut-être une bêtise, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur. Parce que voilà, si. Ah, effectivement. On va se mettre sur son collègue précédent qui était. Il est où, Kevin ? Kevin était juste avant, donc. Ouais, non, vous... c'est ça. Kevin est à 47 sur la ligne, enfin 50, ouais, 47 sur la ligne. 50, c'est ça, c'est la vitesse. Cherche pas, c'est la vitesse. C'est la peut-être, vitesse. Peut-être volontaire ah, ou oui, pas, non, il faudra lui demander, mais... Il a essayé de faire une... Une durite. Une durite, et oui, il est à 60... Et ça dure... Regarde, seulement là, il est à 50. Donc là, c'est beaucoup trop long. Après, on nous explique d'analyser les lignes où il faut passer de temps à temps et tout. Mais là, on voit rien. Comment c'est possible de le savoir ? Il arrive un peu fort. Après, ça peut optimiser. Mais alors, c'est quand même délicat. Il faut vraiment vouloir... parce qu'on perd 1 minute 26 dans les stands pour gagner quoi ? Pour gagner 4... Combien il gagne, David, quand il fait bien ? Nous verrons bien ça la semaine prochaine, mais effectivement, c'est une erreur. La semaine prochaine, nous serons... Rappelez-nous, Tom, un petit peu le planning, s'il vous plaît. Deuxième tacle à la carotide. Laguna Seca. La semaine prochaine. Alors là aussi, il va y avoir aussi des choses. Il va y avoir aussi des trucs, c'est annoncé. Ça va saigner. Il va y avoir des corses croides, comme on peut le dire. J'ai un nom pour le Ben de Sand, déjà, à Laguna Seca, je dirais Frédéric Raymond. Ouais. Déjà, je l'ai dit. Allez, mesdames, bonne soirée à tous. J'embrasse tout le monde. Merci Tom, bisous. Merci à tout le monde. Bisous. Ciao.